Qu'est-ce qu'on attend pour lâcher la meule? Plus l'attente est longue, plus le plaisir est grand.
Hé, hey, Buret, tu vois ça? Oui, ça vaut le coup. À toi, Joe. Alors, dépêchez-vous un peu, les gars. Tu peux dire que t'as gagné ta journée, toi, aujourd'hui, hein. Suivant. Tiens. Vincent, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu viens de la maison? Parle, donne-moi vite des nouvelles. Est-ce que mon frère va bien? Mercedes aussi? Qu'est-ce que tu es venu faire? Qui t'a envoyé? Cette carabine, il dit que je dois revenir à la maison tout de suite. Tout de suite est souligné. Pourquoi est-ce qu'il veut que je retourne à la maison tout de suite? Pourquoi tu ne me réponds pas, hein? Il est arrivé quelque chose à mon frère? Non, non, il n'est rien arrivé à personne. Tu vas t'en retourner au pays, maintenant? Non, moi, j'y retournerai plus jamais. André? Bonjour. Qu'est-ce qui se passe, Tom? Pourquoi tu veux nous quitter? Tu dois bien avoir une raison. Un vieil ami de la famille m'a envoyé un message. Il faut que je rentre chez nous. Ah, chez toi? Je croyais que tu n'avais plus personne. Si, j'ai encore mon frère Jeffrey. Et Mercedes, notre vieille nourrice. Mon frère a repris notre ranch, le ranch des 80. Depuis plusieurs années, c'est ma mère qui menait tout toute seule. Quand elle est morte, elle lui a tout donné. Et elle m'a fait jurer de quitter le pays pour toujours. Hein? Pourquoi? Il n'y avait pas assez de terre pour deux chez vous? Oh, si, puisqu'il n'en fallait. Mais moi, j'ai reçu de l'argent. Et Jeffrey continue à m'en envoyer. Ah, tu n'es jamais retourné chez toi? Une fois, pour quelques heures, l'année dernière. Au revoir, Tom. À bientôt, Muret. À bientôt. Bon voyage. Au revoir. Et bonne chance.
Est-ce que ça n'est pas la maison de la famille Corbett? Non, cette maison-là, c'est celle de Scott. Elle n'appartient pas à Jeffrey Corbett? Puisqu'on te le dit, maintenant, cette maison appartient au seigneur Scott. Est-ce que vous savez où je pourrais trouver ce Jeffrey par ici? Je n'en sais rien, je le connais pas, j'en ai jamais entendu parler. Maintenant, fous le camp d'ici. Demande-leur à eux. Merci du renseignement. Alors, aidez-moi à ramasser ce qui reste. Je vous vais après, vous entendez? Bonjour. Est-ce que vous savez où habite Jeffrey Corbett, s'il vous plaît? Là, je pourrais pas vous dire, je suis pas d'ici, mais attendez. Dites donc, vous connaissez pas un dénommé Corbett au pays, par hasard? Si, 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 je le connais, moi. Il est souvent chez le forgeron chinois à la Grande Rue. Il a son atelier derrière le saloon, en face de la Scott Bank. Merci. Vous êtes très aimable. Bah, t'en fais une tête. Tu l'as trouvé au cimetière, ton copain? Au cas où tu voudrais rester par ici, on va tout de suite te mettre au courant. Chaque fois que tu verras les lettres TS, sur une maison ou une propriété, ne t'avise pas d'entrer sans permission. T'en sortirais pas. Tu rencontreras ce signe-là partout où le seigneur Scott a une propriété. Et j'aime mieux te dire que le seigneur Scott n'aime pas beaucoup voir quelqu'un pénétrer chez lui. Au revoir. Mais moi, je crois pas qu'on se reverra. Dis donc, où est-ce que t'as trouvé ta selle? Dans un cirque? Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je cherche Jeffrey Corbett. Jeffrey Corbett? Si jamais vous le trouvez, soyez gentil de me l'envoyer. J'ai besoin de lui. Et comment je ferai pour le trouver? En reniflant. Si ça empeste l'alcool, c'est qu'il est là. Enfin, il a une adresse, non? Oh, bien sûr, il a une adresse. Je la connais. Est-ce qu'il y est? Ça, j'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il loge loin du village, à San Juan.
Attendez un peu, Seigneur. Je vous ai rendu un service, je crois que ça mérite une récompense. Ça coûte 25 cents, ces renseignements comme ça. Je veux bien vous rendre service, mais pas pour rien. Et vous trouvez toujours des pigeons? Toujours. Confucius a dit, si tu veux vivre longtemps, garde tes yeux, ta bouche et tes oreilles fermées. Oui, mais Confucius était un grand innocent, Seigneur. Moi, je vois tout, j'entends tout et je suis bavard. Aussi, je suis sûr que vous partirez pas d'ici sans me régler, s'il vous plaît, monsieur. Quittons le pays, monsieur Scott. C'est trop dur, on ne peut plus y arriver. On ne travaille plus que pour vous payer. Nous ne gagnons pas notre vie. Mais tu oublies que tu ne peux pas quitter le pays comme ça. Comment est-ce que tu t'appelles? Farrer. Jérémy Farrer. Eh bien, Jérémy, regarde. Ça n'est pas le travail qui risque de manquer. Tous ces champs à labourer, sans parler des terrains en friche. Et il y a aussi l'élevage. C'est vrai ce que vous dites, monsieur Scott. Ça n'est pas la terre qui manque ici, ni le travail pour celui qui le veut. Là-dessus, je suis d'accord. Mais qu'est-ce qui en profite? Un seul, et c'est Scott. Oui, mon fils a raison. Notre misère est trop grande. Il faut partir. C'est dommage, le pays est beau, mais nous ne pouvons pas faire autrement, je vous le jure. Tu as déjà des regrets, tu vois? Et tu voudrais abandonner la terre où vous avez vécu, où vos enfants sont nés, où vos morts sont enterrés? Non, nous n'avons personne au cimetière, monsieur. Ah! Il y aura ton fils maintenant. Ah!
un client. Je vous garde, seigneur. Si vous voulez. Vous avez soif? Tenez. Bonne réponse. Vous ne parlez pas. Vous buvez pas. Mais alors qui vous êtes, hein? Qui? Tom! Oh! 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 Tu comptes partir quand? On peut le savoir? Oui ou non? Hein? Je viens juste d'arriver et tu veux déjà que je m'en aille. Tu aurais pas dû venir ici, Tom. Tu peux pas rester, il a raison, tu sais. Je suis venu parce qu'on me l'a demandé. C'est Carradine qui m'a envoyé un mot. Dans lequel il me disait de venir tout de suite. Je me suis fait de la bile pour vous deux. Mais qu'est-ce que vous foutez dans ce taudis? J'appartiens à un dénommé Scott, il paraît maintenant. De quel droit as-tu vendu notre ranch? Combien est-ce qu'ils t'en ont donné, ces deux salauds de Scott? Tom, Tom, il vaut mieux t'en aller tout de suite. Le fils de Scott est un fou dangereux. Tu ne sais pas ce qu'on risque tous les trois. Tom, on ne t'a pas reconnu au village? Non, je ne crois pas. Bon.
bien. Alors, je vais aller m'occuper du cheval de mon frère. Non, je ne m'en irai pas sans avoir parlé au Carradine. Il faut que tu partes, Tom. Sinon, il y aura un malheur. Je vais chez Carradine. Il y avait de l'or dans ces terrains-là. Il y a longtemps que Scott aurait mis la main dessus. J'ai des histoires. Tu crois pas que j'ai raison, Max? Peut-être. J'en suis sûre. C'est pas la première fois qu'on raconte ça, d'ailleurs. Martin, c'est un monsieur. Il est dedans.
Dis donc, ça te prend souvent? On commence pas, hein? Arrête là! Et vous aussi, foutez le camp! Plus vite que ça! Whisky. Et bien tassé, hein. Et du feu. Qu'est-ce que t'attends? Adresse-toi ailleurs, je fume pas. Tu vas rentrer à la maison. Attendez. Confucius a dit, l'homme qui défend une cause juste triomphe toujours de tous les obstacles. Exact, à condition pourtant d'être un peu aidé. Et j'étais là, heureusement. À
Alors, trois hommes, seigneur, $3, s'il vous plaît. On a toujours besoin d'un plus malheureux que soi. Hein, t'es trois. Attention, hein, tu vas me le faire renverser. Je vais trouver Carradine. S'il m'a appelé, c'est qu'il avait une raison. Et quelle raison? Saute sur ton cheval et débarrasse le plancher. T'as plus rien à faire ici, on a fêté nos retrouvailles au saloon. T'inquiète pas, j'embrasserai Mercedes pour toi. Alors, serrons-nous la main et fous le camp ici. Fous le camp, je te dis! Non. J'ai décidé d'aller chez Carradine. La nourriture que nous allons prendre et donner du pain à ceux qui n'en ont pas. Amen. Amen. Qu'est-ce qui... Va maintenant. C'est ton morceau préféré, celui-là. Tu me l'as appris quand j'étais tout petit, depuis nous l'avons joué ensemble. Tu te souviens, papa? J'ai hâte de parler, cesse de jouer. Tu ne veux pas que je finisse ton morceau d'abord? Avant, c'était toujours toi qui me le demandais. Il n'y a pas encore si longtemps de ça. Tu as grandi, je t'en passe vite. Papa, est-ce que tu m'aimes toujours autant? J'ai à te parler de choses sérieuses. Mais qu'y a-t-il de changé? Est-ce que nous ne sommes plus une seule et même personne, toi et moi? Est-ce que tu te souviens, rien que toi et moi,
Jamais toi sans moi. Johnny! Tu ne m'aimes plus, tu ne peux plus me voir. Comprends que tu ne peux pas toujours n'en faire qu'à ta tête. Aussi loin que je me souvienne, tu m'as dit que j'étais le maître incontesté ici. Il y a une limite à tout, mon garçon. Mais réellement à tout, alors. À toute chose et pas qu'à mes actes. Une limite à tout pour tous. Tu es d'accord? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais rien de plus que ce qui est et que tu n'oses encore pas dire. Fais en sorte que personne ne nous sépare jamais. Je t'aime trop. Sois gentil, terminons ce morceau ensemble, tu veux bien? Qu'est-ce que ça cache, cette sinistre plaisanterie? Pourquoi est-ce qu'ils ont tué les Carradine? Hier, au saloon, pourquoi ils ne nous ont pas chassés? Qui est Scott? Mais qu'est-ce que j'ai à voir dans cette affaire, moi? La preuve, c'est qu'il ne m'attaque pas, mais pourquoi? Il risque pas de tirer sur toi. Ça, tu peux y compter, dormir tranquille. Ouais, tu as raison. Aucun d'eux ne veut tirer sur moi. Mais pourquoi? T'en veux un coup? Il faut que tu m'aides, Jeffrey. Entendu, je suis prêt à t'aider tout de suite, si tu veux. Le temps d'arnacher mon cheval et on saute tous les deux en selle. Je te conduirai où tu voudras. Ça te va? Demain, nous irons chez Scott. Et je lui demanderai des explications. Bien. En attendant, bonne nuit, Tom. Adieu, pauvre monsieur Carradine. Qui vous paiera? Confucius a dit, au paradis sera récompensé celui qui ensevelit les morts sans demander quelque chose en échange. Seulement, Confucius n'avait aucun sens des réalités. Il n'a pas vécu ici, dans ce village. Les morts y sont si nombreux que si je devais les enterrer gratuitement, il y a longtemps que je serais mort moi-même, Seigneur. Confucius, je t'en demande pardon d'avance, mais pour les Carradines, le repos éternel coûtera 3 dollars par tête, service compris. J'y pense tout à coup. Qui paiera la note, puisqu'il ne reste plus un seul d'entre eux? Merci. C'est dommage, je vous jure, qu'il n'ait été que 4 dans cette famille-là. Écoutez. Hein? Combien vous voulez pour me dire où est le ranch de Scott? Rien, je veux absolument rien, Seigneur. Et pourquoi ça? Vous voulez savoir où est le ranch de Scott. Et vous m'offrez l'argent que je veux pour ça. Je sais où il se trouve, tous le savent, mais ni moi ni personne ne voudra vous le dire. Nous sommes sûrs d'être tués si nous parlons. Et alors, votre argent, qu'est-ce que j'en ferai? Une fois que je serai mort et enterré, hein? Vous croyez pas que j'ai raison? Vous voulez boire quelque chose, Seigneur? Oui, un whisky. Comment va le Seigneur Scott? Bien, enfin, je le suppose. Où est-ce que je peux le trouver? Trouver qui donc? Ce saloon appartient bien à Scott, non? Oui, pourquoi?
Donne-moi un petit verre de whisky, s'il te plaît. Tout de suite, madame. Cette maison est à moi aussi, seigneur. Bonsoir, je me présente, Dame Corbett. Ah. Est-ce que je pourrais vous poser une question? Ça dépend laquelle, dites toujours. Il s'agit d'un renseignement. Où est l'orange de Scott? Votre question n'est pas une question ordinaire. Non, et qu'est-ce que c'est? Beaucoup plus que ça, et beaucoup moins aussi. Écoutez, ici au pays, tout le monde sait où est située la maison des Scott. Et moi aussi. Alors, où est-elle? Alors voilà. Si personne n'a voulu vous le dire jusqu'ici, n'espérez surtout pas que je vous renseigne. Hop là! Là, je fais dodo, Colette. Ça, je fais dodo gentiment. Dors, cocotte. Personne ne veut me dire où je peux trouver Scott. Mais même s'il se cache au bout du monde, je le trouverai. Oui, tôt ou tard. Cherchons-le ensemble, Jeffrey. Non, jamais on arrivera à son ranch, Tom. Et pourquoi? Qu'est-ce que tu en sais? Il est trop bien gardé. Et les gardes ont ordre de tirer à vue. Allons-y, si tu veux. Avec toi, j'ai rien à craindre avec toi. Rien. D'accord. Allez, allons-y. Allez, viens, Jeffrey, dépêche-toi. Hein? Ah. Allez, là, doucement, 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 t'emballe pas comme ça. J'ai besoin de voir le seigneur Scott. Ce n'est pas possible, le seigneur Scott ne m'a pas donné d'ordre. C'est très urgent, je dois lui parler. Vous n'êtes pas attendu, s'il avait voulu vous recevoir, il ne nous aurait pas venu. N'insistez pas, faites demi-tour. Alors, tu es toujours décidé à aller chez Scott? Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Mais du train où ça va, j'ai comme l'impression que ce sera difficile. À moins que tu ne sois disposé à prendre à ton compte la mort de ces types-là. Ouais, j'en serais responsable vis-à-vis de qui? Vis-à-vis du seigneur, Scott. Si par hasard, Scott te demandait qui a descendu ces hommes, il faudrait que tu lui dises que c'est toi. Pour sa famille. On obtient tout quand on est poli. Allez!
Dans la cabane que tu vois là, il y a d'autres gardes. Ils sont trois, je crois. Tu veux peut-être aller leur demander de te laisser passer, hein? Non, hein, c'est pas ton genre de t'abaisser à demander. Je vais y aller. Au revoir, à tout de suite. Hey, gentlemen! Fire! Saloperie. On a qu'à continuer toujours dans cette direction-là, c'est facile. La voie est libre. Et au bout de 2 ou 3 milles environ, tu t'embrasses sur le ranch de Scott. Et toi? Moi, je rentre à la maison maintenant. Je t'ai conduit où tu voulais. Je te souhaite bonne chance, Tom, mais le plus dur reste à faire. Ah! Bonjour. Je crois qu'il n'y a rien d'aussi merveilleux à la campagne que cette aire de paix. La vie de tous les êtres en est poétisée. Ma chère amie, vous êtes d'un lyrisme à faire pâlir les romantiques. Est-ce vrai? Johnny est un virtuose, il joue comme un dieu. Oh oui, j'adore le punch. En voulez-vous, Rosie? Qui peut bien être cet homme? Que fait-il ici? Marie, me permettez-vous de vous offrir un rafraîchissement? Oui, volontiers. Je meurs de soif, vous aussi, je suppose. À faire de ces terres un culte est proprement prodigieux. Sans parler de vos autres réussites dont j'ai entendu dire le plus grand bien. Je sais que les gens d'ici vous doivent beaucoup, Monsieur Scott. Merci, vous êtes trop aimable. Oui, je suis très touché. Seigneur, j'ai besoin de vous parler seul à seul. Je regrette, mais le moment est mal choisi. Je ne peux pas quitter mes invités. Je t'accorderai volontiers un entretien, mais une autre fois. Laisse-nous maintenant, s'il te plaît. Eh bien, tu n'as pas entendu? On t'a dit de t'en aller. Fiche le camp!
Écorchez-le vite. Tu me donnes ton verre, Charles? Quel horrible individu, j'avais raison, il nous trouble. À ta victoire, Johnny. Excusez-moi. Il a toute la bête, regardez-le. C'est une brute. Vous permettez, ma chère. Je vous en prie. Ça suffit! Non, signor. C'est moi, on ne sépare pas les combattants. Alors, tu en as assez? Je te trouve vite, tu vas le tuer. Le seigneur Scott a dit d'arrêter. J'en viendrai. Déjà de retour. Tom. Chez Scott demain. Et cette fois, ça ne sera pas pour discuter. Johnny se défend bien au fouet, hein? Saute, allez, saute, saute. Je vais te soigner, viens. Il faut nettoyer tes plaies. Jure-moi que tu ne retourneras pas chez Scott, ni demain, ni jamais. Pas, retourne d'où tu viens. Fais-le pour ta pauvre mère. Fais-le, Tom. Va-t'en tout de suite, je t'en supplie. Thank you.
Fous-moi le camp, toi! Qu'il y a entre les Scott et nous? Il y a que c'est Scott qui a tué mon père. C'est vrai? Tu es certain que... que notre père a été tué par lui? Il a tué mon père à moi. Ça, c'est certain. Ça, il y en a 10 fois plus qui nous attendent au ranch de Scott. Allez, planquons-nous dans ces ruines. Gentlemen! Le seigneur Scott veut vous parler. Il vous attend. Pas question. Ou alors qu'il vienne, s'il ne craint pas de ramasser une balle entre les deux yeux. Le seigneur Scott est ton père. Est-ce bien? Nous allons prévenir le seigneur Scott. C'est lui qui décidera. Tom, écoute-moi. Sors de là, j'ai quelque chose à te dire. Viens ici. Tom, tu es mon fils légitime. J'ai chargé Carradine de te retrouver. Je t'ai recherché depuis la mort de ta mère.
C'est toi, mon véritable et seul héritier. Demande-lui pourquoi il a fait tuer Mercedes. Non, je n'ai pas fait tuer ta mère, Jeffrey. C'est un mensonge. Je dois trop à Mercedes. Elle t'a élevé avec Jeffrey. Viens avec moi. Je t'en supplie. Je te donnerai tout ce que je possède, tout, tu entends? Ton frère. Ton frère Johnny est fou. Ah. Pourquoi as-tu fait ça? Maintenant, j'ai tout compris. Et tu sais pourquoi ton père te recherchait? Oui, Johnny aussi, et c'est pour ça qu'il a tué les Carradine et ta mère ensuite. Elle savait tout. Oui. Johnny est fou sans doute, mais pas pour certaines choses. Comprenant que Laurent, chez l'argent de ton père, allait revenir à un autre que lui et que jamais il n'en serait le maître incontesté. Il a tiré sur ton père et l'a tué. Je vais lui régler son compte. Tu veux être de la partie ou bien c'est fini? Pour t'aider à venger Scott, il n'a jamais été mon père. Qu'est-ce que tu feras à ma place? Je ne tiens pas à être à ta place. Même si ça doit me coûter la vie, je suis décidé à faire payer Johnny. Bon, je peux pas te conseiller. T'as qu'à faire ce que tu crois être le mieux. Thank you.
Je veux pas t'influencer, mais si tu es toujours décidé à venger ton père... Rendez-vous Orange! De l'extérieur et moi de l'intérieur. De l'intérieur? Ouais, t'en fais pas. Je connais la baraque. Toi, tire de tous les coins. Tâche de leur faire croire qu'on est ensemble. Ça marche? Tu te sers du fusil et du pistolet. D'accord? C'est d'accord. À tout de suite. Yaha! Gentlemen.
Vite! Passez par là. Hey, gentlemen! Quel massacre! Inutile. Gentlemen! Viens, je te le laisse. Toi, tu sors par ici. Et moi, je passe par derrière.
affaire de famille. À toi de jouer, Tom. Si tu veux régler les comptes, c'est le moment ou jamais. Tu ne vas pas tuer ton propre frère. Home today.